La campagne, ça vous gagne. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, CST a emmené Hulk, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants ont trouvé refuge. Ils ont quitté leur appartement du palais de Kensington pour se confiner dans le Norfolk. Et visiblement, la petite famille s'y sent très bien. D'ailleurs, les Cambridge ne devraient pas retourner à Londres de sitôt. Et cela, pour plusieurs raisons. La première, l'école de leurs aînés, George et Charlotte, a officiellement fermé pour les vacances d'été. Le prince William et Kate Middleton avaient scolarisé à la maison leurs enfants pendant la pandémie de coronavirus, et bien qu'il ait peut-être envisagé de revenir une fois les mesures de confinement du Royaume-Uni levées, il n'y a maintenant aucune raison de le faire jusqu'en septembre, lorsque la nouvelle année scolaire aura commencé. La deuxième, la famille Cambridge a tendance à passer ses vacances d'été dans sa maison de campagne. Depuis 2017, CST bien là qu'ils savourent leur congé d'été. Sur place depuis 3 mois, et alors qu'ils ne peuvent toujours pas voyager normalement à l'étranger, le prince William et Kate Middleton ne devraient pas quitter le Norfolk avant la rentrée. Emme Hall dispose également de plus d'espace extérieur que leur maison londonienne. Un bonheur pour le couple mais aussi pour leurs enfants, qui en profitent volontiers. La propriété de 3 étages est située sur le domaine de Sandringham et est entourée d'une verdure infinie. Sur place, la famille a accès à une piscine, un court de tennis et une grande pelouse verdoyante. Pour le moment, seuls le prince Charles et Camilla Parker Bowes sont de retour à Londres, après s'être confinés en Écosse. Des polémiques, même en vacances et même à des centaines de kilomètres de Londres, le prince William et Kate Middleton essuient d'âpres critiques. Il y a quelques jours, CST a leurs dépenses jugées outrageuses que cesse d'attaquer Graham Smith, président de l'organisme Republic. La monarchie coûte dans l'ensemble beaucoup plus que ne l'admet la maison royale, cesse-t-il agacé dans les colonnes de The Express. Cela coûte chaque année 345 millions de livres aux contribuables, cette somme doit être immédiatement réduite. Nous ne devons pas de salaire au prince William et à Kate, nous ne leur devons aucun rôle, nous ne leur devons rien. Partez gagner votre propre argent. Remonté contre les Cambridge, il poursuivait, ils claquent régulièrement des milliers de livres, que ce soit dans la rénovation de leur maison ou dans des jets privés hélicoptères pour voyager au Royaume-Uni alors qu'ils pourraient prendre le train ou la voiture.